Aegis Max G1, Cumulus X-Lite 400. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous parle de mes deux sacs de couchage après les avoir utilisés plusieurs nuits. Les deux sacs sont garnis de 400 g de duvet, ils ont une forme similaire, ils ont une température de confort relativement proche, mais j'ai payé le G1 90 € tandis que le X-Lite 400 c'est 375 € sans les frais de port, donc plus de 4 fois plus cher. Ah, et comme on parle de prix, oui, j'ai bien acheté moi-même ces deux sacs. Aegis Max ou Cumulus ne m'ont rien envoyé gratuitement, ils ne me payent pas non plus pour en parler. Quelques caractéristiques pour commencer. L'Aegis Max G1 en taille L, il pèse 770 g. La taille L, c'est pour les personnes de plus d'1m75. Il est garni de 400 g de duvet, composé à 95% de duvet d'oie blanche. Ça, c'est en taille L. En taille M, vous avez 380 g, donc 20 g de moins. Le gonflant est annoncé à 800 QIN. Alors, QIN, c'est la contraction de cubic et inch en anglais, pouce par cube, donc c'est une unité de mesure de volume. C'est un tissu 15 deniers, une construction cloisonné, il n'y a pas de pont thermique au niveau des coutures, il est donné pour du plus 3 degrés confort. On le trouve de temps en temps en promo sur AliExpress pendant des opérations comme le Black Friday par exemple, on le trouve à 90 €. Alors, je viens de regarder en ce moment, il est à 106 € port compris. Voilà. Donc voilà, vous retrouverez ma présentation détaillée du G1 dans cette vidéo là, juste au-dessus. Hop. Alors, le Cumulus X-Lite 400. Celui-ci est en taille M, il pèse 575 g, donc M c'est la taille standard chez Cumulus. Ils disent que ça va pour des personnes jusqu'à 1m85 max. Bon, je mesure 1m78, mais honnêtement c'est vraiment très limite, donc taille M, hein, maximum je dirais 1m78. Il est garni lui aussi de 400 g de duvet, mais ici c'est un duvet d'oie polonais de 900 QIN, acquis de manière éthique. Il y a des compartiments trapézoïdaux, une footbox en forme d'aileron de requin, voilà pour les pieds. Un tissu extérieur en toret air statique 7 deniers. La gamme X-Lite, elle est annoncée par Cumulus comme étant la plus légère au monde au niveau du ratio poids-chaleur. Il est donné pour du moins 1 confort. Il coûte 375 €. Il n'est jamais en promo chez Cumulus. Et pensez à ajouter 10 € de frais de port si vous êtes en France. Les deux duvets font 4 litres une fois compressés, donc il n'y a pas d'avantage pour l'un ou pour l'autre. Dans la pratique, je vous conseille quand même de ne pas forcément les compresser autant. Donc le G1, il est livré avec un sac de compression qui a des sangles et puis un filet de stockage, voilà, tandis que le Cumulus est livré avec un sac comme ça qui n'a pas de sangle de compression, donc voilà, vous pouvez pas le comprimer autant que le G1, et il est livré avec un sac de rangement filet qui est de meilleure qualité quand même que le sac livré avec le G1. Alors, qui est le plus chaud? Donc les deux, ils ont 400 g de duvet à l'intérieur, donc on va se dire que c'est pareil. Mais en fait, le G1 est annoncé pour du plus 3 degrés confort, ce qui semble être respecté d'après les utilisateurs, d'après mon expérience aussi. Tandis que le X-Lite 400 est annoncé pour du moins 1 confort. Donc j'ai passé une nuit dedans à cette température, en dormant sur la neige, avec mon matelas NeoAir X-Lite uniquement en dessous. J'étais bien, donc ça me semble respecté aussi, à confirmer. Alors quand on parle de température confort, c'est en étant habillé un minimum. Dans mon cas, c'était un bas en polaire, un t-shirt manche longue Mérinos épais en haut, ou une micro-polaire, chaussettes et bonnet, parce que voilà, pas de cheveux pour tenir chaud. Le X-Lite est donc un peu plus chaud, même s'il a autant de duvet que le G1. Celui-ci est en effet plus gonflant, donc il emprisonne plus l'air, c'est ce qui isole, et la construction des compartiments est différente, et elle a l'air d'être plus efficace, effectivement, sur le X-Lite 400. D'ailleurs, parlons du gonflant. 900 QIN annoncé pour le X-Lite, c'est vraiment un gonflant impressionnant. Dans la pratique, c'est le cas aussi, la sensation est hyper agréable, c'est léger et très épais sur soi, c'est vraiment, on est dans un cocon. Le G1 à côté, avec son gonflant de 800 QIN, il fait vraiment pas le figure. En plus, il y a deux types de QIN, il y a le QIN US et européen qui ne sont pas équivalents. On ne sait pas trop lequel a été retenu pour Aegis Max, mais probablement le QIN US. Donc, on pourrait dire qu'un QIN US de 800, ça correspond réellement à un QIN EU européen de 700. Donc voilà, un QIN 900 européen et puis un QIN peut-être 700 européen si on compare les deux. C'est probablement dans cet ordre d'idées-là. Donc voilà, on n'a pas du tout le même gonflant. Et effectivement, les compartiments sont vraiment beaucoup plus plats sur le G1 que sur le X-Lite 400. C'est vraiment, vraiment un plaisir, quoi. Enfin bon, tout ça, ce sont des chiffres qui donnent des indications, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Et plus le gonflant est important, plus il y a d'air emprisonné à l'intérieur, donc plus ça isole. Et puis bien sûr, la qualité du duvet joue également un grand rôle. Donc voilà, avantage sur ce point-là.
pour le X-Lite 400. Au niveau qualité générale perçue, je m'attendais à un bond en avant avec le Cumulus, mais en fait j'ai été un peu déçu, les finitions sont très très bonnes sur les deux. La fermeture éclair, c'est une horreur sur le Cumulus, à tel point que je me demande s'il n'y a pas un défaut, sans parler du fait que le tissu se coince hyper facilement quand on arrive enfin à actionner le zip. Donc voilà, sur le G1 ça s'ouvre, ça se ferme de façon hyper fluide, sans se coincer. Le tissu est très très fin sur le Cumulus, donc plus fragile. Il est assez transparent, on voit le duvet, mais du coup je trouve que ça aide bien pour le répartir dans les compartiments. Et puis pour voilà, secouer un petit peu, faire gonfler et avoir un duvet qui est vraiment comme on le souhaite. Si on a envie de ramener du duvet dessus, si on a envie de le mettre un peu sur les côtés, etc. Vous pouvez vraiment l'adapter. Alors le X-Lite est annoncé comme minimaliste et c'est vraiment le cas. Je le trouve un peu plus étroit que le G1. La capuche, elle est vraiment anecdotique comparée à celle du G1. Elle est peu enveloppante, peu garnie, il n'y a pas de rabat anti-froid dans le cou alors que le G1 il possède tout ça. Et je trouve que ça fait la différence vraiment quand on est dans des températures très froides. Donc à ce niveau-là, je dirais un gros avantage pour le G1. Alors parlons éthique maintenant, Cumulus est une société réputée pour la provenance de son duvet, c'est du duvet d'oie polonais certifié, donc il est produit de façon éthique avec des conditions d'élevage qui permettent un accès à l'eau et au plein air pour les animaux, tandis que pour le G1 qui est produit en Chine, c'est probablement à l'opposé, il n'y a pas de certification. D'après de nombreux abonnés dans de précédents commentaires, le duvet serait prélevé sur des animaux vivants avec des conditions d'élevage moins contrôlées. Je mets au conditionnel car on sait peu de choses à ce sujet, Aegis Max ne communique pas dessus. Donc avantage à Cumulus pour la provenance certifiée du duvet et pour les conditions d'élevage contrôlées. Alors mon avis général, franchement ça se joue à pas grand chose. Je vais utiliser le X-Lite 400 pour son gonflant exceptionnel, pour la douceur de son tissu qui apporte un confort supplémentaire par rapport au G1 quand même, pour les 200 grammes de moins et puis aussi pour le côté éthique. Mais le zip du G1 et sa capuche sont à mon avis bien mieux conçus. Alors le zip pourtant, hein, on a du YKK ici et on a la même chose sur le Cumulus, hein, c'est censé être des zips de qualité. Mais vraiment, hein, ça bloque sur le Cumulus. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez un X-Lite 400 ou de la gamme, dites-moi si votre fermeture elle bloque aussi comme sur les images, là, parce que vraiment je trouve ça insupportable. Donc le choix n'est pas si évident, il dépendra de vous, de votre sensibilité envers la protection animale et de votre porte-monnaie. Pour moi, ce sont deux bons duvets qui vous protégeront bien du froid dans leur gamme de température. Ils sont parfaits pour les bivouacs 3 saisons en montagne. Alors dites-moi en commentaire ce que vous utilisez, quel sac de couchage vous achèteriez entre le G1 et le Cumulus X-Lite 400. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.